Ouais, c'est l'équipage. Alors, on se retrouve. Là, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, je repars dans la même journée. Après environ 180 km au final avec le détour. Et en termes de confort, consommation, tout ça, je vais tout vous dire. Un petit coup d'appel les gars à la bosse. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas guidonner les gars, sinon c'était chaud hein. Les routes ici les gars, elles sont anciennes, ça se voit, mais elles sont pas comme chez moi. Dans le sud-sud, il y a un tracteur. Dans le sud-sud les gars, il fait tellement chaud, tellement de fou, les routes elles sont déglinguées. Ici tu vois qu'elle a la couleur d'une route vieille. Mais il y a très peu de trous, il y a très peu d'effets où tu te dis oh putain ça j'avais pas prévu. Gros pouce bleu les gars pour cette région. C'est un choix de vie d'habiter ici, mais franchement, quand tu vois ce qu'on y trouve, je peux comprendre ce qu'il y a vite là les gars. J'ai fait le calcul, pour la consommation les gars, je suis à 3,4 litres au 100. Ils annoncent quasiment cette moyenne, le constructeur Honda annonce quasiment cette moyenne. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal pour ça. Après encore une fois, j'ai pas pris l'autoroute, donc j'ai peut-être pas non plus à 130. Mais voilà, j'ai fait des petites pointes, des petites montées là comme on peut voir, je sais pas si ça se rendra vraiment bien à la caméra. Mais là il y a plein de montées dans les Alpes de Haute-Provence. Donc voilà, la moyenne de consommation en tout cas est réelle par rapport à Honda. Des choses à dire, c'est le confort les gars. C'est un trail routier, donc un trail routier on devrait être très confortable. Au final, après 180 km, la main droite les gars, endormi, je vous explique même pas pourquoi, parce qu'en fait ça vibre vraiment pas mal au final à la longue. C'est des toutes petites vibrations mais qui sur une durée assez longue font vraiment souffrir les gars. Ça, la selle aussi ça vibre un petit peu, t'as envie de pisser, t'as envie de lèche. Laisse tomber, ton envie elle se démultipliera quoi. Par rapport au vent, là j'ai mis le casque en intégrale, donc la bulle je sens pas vraiment qu'il y a de l'air qui vient sur moi. On est au final plutôt bien protégé. Et voilà l'équipage, je pense que c'est les deux choses vraiment qui sont importantes à vous dire pour ce trajet là. Là on va voir maintenant avec les 160 km à peu près qui restent. Je vous ferai également un petit débrief tout au long du retour et également à la fin je pense. Pour vraiment avoir un ensemble objectif et réel sur plus de 300 km dans la journée, dans la même journée avec cette CB. Donc on verra bien. En tout cas ici les gars, c'est vraiment vraiment magnifique. Ceux qui habitent dans la région les gars, vous devez vous régaler en moto. J'en ai croisé vraiment pas mal de motards. Et ça m'étonne pas, regardez tous ces virolos. Regardez les gars, ces virages avec ces rochers, ces montagnes. C'est vraiment quelque chose.
En tout cas, voilà l'équipage. On se retrouve un petit peu sur la longueur du chemin. Si t'es toujours à ce moment-là dans cette vidéo, je te rappelle de mettre ton petit pouce bleu, ton commentaire et ton abonnement si c'est pas déjà fait. Ça donne énormément de force. Et merci. L'autoroute tranquillou les gars. J'aurais pu prendre l'autoroute sur le retour pour tester, mais je vais voir au cas où si je le fais durant le trajet les gars. Mais franchement je le sens pas l'autoroute. Déjà en voiture les gars ça me casse les. Alors là en moto les gars, flemme un peu. En tout cas, ce qu'il faut noter aussi, c'est les suspensions. Franchement, les suspensions font vraiment le taf dans toutes les courbes. Je pensais que j'avais pas encore vraiment tout testé en termes de route. Et finalement, là, sur ce long trajet, je me rends compte qu'il y a vraiment des routes différentes, anciennes, neuves, cabossées, pas cabossées. Et au final, elles sont peut-être un petit peu souples parce qu'il y a l'effet trail, donc effet off-road. Mais franchement les gars, sur toutes les routes, franchement t'es en sécurité, il n'y a aucun problème avec ça. La moto se comporte bien dans les courbes, après bien entendu il faut prendre un maximum la bonne trajectoire, prenez un petit peu avant, toujours essayer d'avoir un filet de gaz dans le virage, tout ça, tout ça. Tout ce qui améliore la sécurité, peu importe la moto. Mais voilà, ce qui me permet de vous dire quand même que cette moto les gars, la CB500X modèle 2023 de chez Honda, est vraiment bien pensé pour un trail routier. Je pense que c'est un bon résumé. Ils viennent de refaire tout juste les lignes blanches. On recommence ça sans la peinture à fond les gars. Putain je pensais pas hein, une fois qu'ils les avaient refait comme ça que ça puait dans moi. Et je comprends mieux pourquoi ça tient autant des années. Ça doit être une putain de peinture les gars, agglomération, et là ça met le panneau 70 pour le coup. Alors ce matin il y avait le panneau 70 et après l'agglomération 50, et là c'est l'inverse. Et à un moment donné, dès qu'on s'approche plus, on arrive à les zones 50. Alors les gars, bah je comprends plus rien les gars, faut juste regarder les panneaux et c'est fini les gars. Et
banalisé visiblement d'ici ou je sais pas qui c'était les gars, avec un gros gyro. On va essayer d'accélérer un peu les gars au cas où, si c'est pour moi vous connaissez la chanson les gars. Ça c'est pareil hein. Il y a très peu de chances pour que ça soit pour moi les gars. Et c'est dans les coups. En VTT les gars aussi, ceux qui habitent ici vous devez vous régaler. Franchement. Bah les gars. Voilà, pile quand j'allume le GoPro, ça reste 3 bars, c'est très fou. Là j'arrive bientôt à 2 bars. J'ai toujours pas envie de mettre le plein les gars pour savoir si j'arrive à faire l'aller-retour avec le plein. Parce que en termes de kilomètres possibles par rapport aux données constructeurs, c'était quasiment faisable. J'aimerais bien quand même faire tirer. Mais là regardez, c'est passé à 2. Sachant que je suis à peine au quart du retour les gars, donc il me reste encore pas mal de kilomètres, tout ça. 120, allez. Et du coup on va voir. Et ça va être tendu l'équipage. Et l'objectif du retour, c'est de pas mettre le plein les gars. C'est annoncé. La meilleure sensation, musique, moto, soleil plein. Ah là là les gars, c'est incroyable. Bon ben les gars, je pense qu'il faut profiter de ces derniers moments de vue là, avec ces belles montagnes, parce que dans pas longtemps, on va arriver dans la région où ça sera beaucoup plus plat. Le mec derrière depuis tout à l'heure il me suit avec ça. Je crois que c'est à 125. Je faisais des zigzags sur la route, il en faisait aussi. Et là je crois qu'il a pas pu venir. Je crois que c'est... Et ouais, il a continué tout droit le poteau. C'était bien marrant en tout cas. Et ouais non, c'est un truc ça. Ils m'ont pité eux les gars, je croyais que j'arrivais en sens interdit frère. Putain. C'est mal fait ici eux. Radar à 50 km/h. Ok mon poteau. On va se calmer mon poteau. On va la mesure du tout mon poteau. Les gars, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien l'hélico en haut là-bas. Mais c'est pour moi. Je suis en train de faire une course poursuite les gars depuis tout à l'heure. C'est un truc de malade. Il est là-bas. Je l'ai réussi à l'esquiver les gars. Je sais pas où je peux aller me cacher. Allez, on a doublé un petit peu. On fait cracher un peu le moteur. Toujours aussi plaisant. Même si un autre collègue, ça aurait été avec ça aurait été mieux quand même. Deuxième personne, pas derrière moi, mais sur une autre moto les gars. Ça aurait été plus marrant, tu vois. Ça permet pas mal de gamberger quand même. Je conduis, je pense un peu à tout, un peu à rien. Fait plaisir. Et voyager avec ses collègues les gars, un gros road trip entre collègues là, bah ça va être magnifique. Les gars, déjà vous voyez là-bas c'est beaucoup plus plat hein, que là où on était tout à l'heure. Salut les gars. T'essouffle pas. Tu n'as rien contre moi. Tu le sais, c'est ça, je le sais. Arrête de nous oublier, c'est tout. Ok, j'alerte mon avocat. Le meilleur à Miami. C'est l'as les avocats. Le premier matin, toi, tu dois bosser en Alaska. Donc, on va du chaud. Risque d'éboulement, l'équipage, ils ont dit. J'espère que ça va pas être maintenant. Vite. Vite. Je rigole, les gars, mais la vie de ma mère, que ça doit être sale scène. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou à un de vos proches, les gars, mais grosse force à vous si c'est ça. Parce que là, t'es vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, les gars. Putain. Avec la petite durance les gars. Je sais pas si par chez vous elle passe ou pas. Et nous elle passe. We'll be right back.
équipage, j'espère qu'il n'y a pas trop de radar ici. À l'aller comme au retour, je suis vers les 100 km/h. Je pense pas qu'il y en ait les gars, mais bon. Ce sera la surprise d'ici 8 à 20 jours je pense. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Voilà les gars, toutes les montagnes sont derrière nous. Là ça va être beaucoup plus plat. Les melons de Cavaillon, bonjour madame. Les melons de Cavaillon, tout ça. C'est la zone. On va mettre l'essence. Les 2,26 le litre. C'est mort à don. Franchement c'est mort mort mort. Et les gars, le soleil, milieu d'après-midi, fin de journée, il chauffe les gars, je vous le dis, putain. C'est pas des lol. T'es bientôt arrivé chez toi, sans me dire que t'es bientôt arrivé chez toi. Toiture de Provence. C'est beau. Bon l'équipage, il me reste une barre, je vais être dans la réserve, je suis à moins de 20 km de la maison à peu près, plus ou moins bien entendu, et ça va le faire l'équipage. Je te tiens au courant si jamais je t'en vends pas de poteau, ce sera le gros titre de la vidéo, road trip 300 km, en panne, moto HS, et puis si ça se passe pas, ben, laisse ton petit pouce bleu quand même. Bon ben l'équipage, ça va être une fin de vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Franchement ça donne grave de la force de rester jusqu'à la fin les gars. Le watch time il est important. Si c'est pas déjà fait les gars, laisse ton petit pouce bleu, ton petit commentaire, ton abonnement. Et je te dis ciao à la prochaine.